Arrivé par la route à Châteaudet en passant par Bulle en Revue, nous logeons à l'hôtel Roc et Neige. La vallée du Pays d'en Haut offre aux visiteurs de beaux paysages et une très belle architecture de ses chalets et de ses maisons. Profitant du beau temps, nous partons immédiatement pour Rougemont, d'où part la télécabine qui nous mènera à la vie de Manette à une altitude de 2151 mètres. La pandémie du Covid-19 a retenu beaucoup de touristes, si bien que nous sommes les seuls clients pour cette montée. À l'arrivée, toujours seul, nous jouissons d'une merveilleuse vue sur le Pays d'en Haut d'un côté et sur les Alpes valaisannes et bernoises de l'autre. Le soir et pendant la nuit, des bruits ressemblant à des roulements de gros cailloux attirent notre attention. S'agit-il d'un éboulement ou d'un glissement de terrain? Le lendemain matin nous apporte la réponse. Il pleut et la rivière qui passe près de l'hôtel, la Voisseresse, est en crue. L'eau boueuse fait rouler des cailloux sur le fond de son lit. Cette rivière se jette dans la Sarine dont le débit a fortement augmenté lui aussi. Son eau brune charrie des branches et même des troncs. C'est impressionnant. Même les escargots s'enfuient. Et les affluents peinent à y entrer. L'humour du Pays d'en Haut se révèle à la découverte d'un baromètre un peu particulier. Le travail du bois est très développé dans cette vallée où, en plus des chalets, l'on façonne également des tavillons. Au retour, notre promenade nous ramène à Châteaudet par le haut du village. Cela nous donne l'occasion de voir les 2000 mètres du célèbre Molaison d'où, paraît-il, chacun y voit sa maison. Thank you.
Châteaudet accueille chaque année le Festival international de ballon, Air Show 100 ans. Le musée Breitling, dans l'espace ballon, relate ce fait. Malheureusement, ma tentative de visite tourne court, car ce jour-là, une chaîne de la télévision suisse-allemande y enregistre une émission. On me laisse malgré tout faire un tour rapide des lieux. Aujourd'hui, le ruisseau de l'hôtel est en décrue et sa couleur un peu plus sympathique. Nous allons à Rossinière car, par chance, il s'y tient une exposition, les artisanales. Cette année, le thème choisi est « De fil en aiguille ». Les premières œuvres nous accueillent déjà sur le parking. Les artisans de la vallée, femmes et même quelques hommes, s'en sont donnés à cœur joie pour exécuter des travaux de couture, crochet, broderie, tricotage et autres patchwork. Les œuvres sont exposées à l'extérieur, dans divers endroits de ce très joli village. Cela nous ramène à notre première idée qui était de voir la maison du peintre Balthus. Le grand chalet de Rossinière, comme on l'appelle, est l'une des plus grandes habitations en bois de Suisse. Construit en 1754 pour y abriter d'immenses caves destinées à la maturation des fromages. Le maître d'ouvrage de ce grand chalet de Rossinière était Jean d'Avinachon, qui était un greffier de justice, qui s'était enrichi notamment avec le commerce du fromage et qui désirait construire une cave à fromage pour abriter 600 moules de fromage. Et c'est ce qui a donné la dimension de base du grand chalet. Les charpentiers travaillaient en proportion, donc ils sont montés, ils sont partis de cette base énorme de 30 mètres sur 15 mètres et pour empiler ces madriers, ces différentes pièces les unes sur les autres pour arriver à cet énorme bâtiment. Cette bâtisse sera plus tard transformée en hôtel. Balthus l'a racheté en 1977. Il y vivra 37 ans avec son épouse, qui d'ailleurs l'habite encore. S'il n'est pas ouvert au public, la chapelle-musée, par contre, nous accueille et nous présente divers films et quelques-uns des dessins et peintures de cet artiste. Cette intimité qu'il y a dans une maison en bois, et la balade dans le village continue.
nous visitons l'église romane du village de Rossinières. L'après-midi, il pleut. Une visite du château de l'Étambeau s'impose car il abrite le musée de l'artisanat du pays d'en haut. On y trouve des objets de la vie courante. Et naturellement, les célèbres découpages de papier. Nous consacrons cette nouvelle journée à l'Étiva, patrie du fromage d'alpage, AOP. Après un repas pris au restaurant du Chamois, nous allons nous promener au bord de la rivière, la Torneresse, qui coule à grand débit. Les caves d'affinage se situent justement en bordure de cette rivière. Nous allons les visiter. Le fromage d'Étiva est fabriqué dans les alpages entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Après une semaine, les pièces d'une quarantaine de kilos chacune sont descendues à Étiva, où elles passeront 24 heures dans un bain de saumure. 35, celui-là. Mais avant tout, mesures sanitaires obligent, nous revêtons des protections avant de commencer la visite. À leur arrivée, elles passeront 24 heures dans un bain de saumure, un mélange d'eau et de sel, avant d'être frotté au sel plusieurs jours. Le but à ce stade-là, c'est de conserver les fromages très humides. Après cette période-là, on commence à faire sécher nos fromages. Et c'est à ce moment-là que la croûte se forme. La cave les affine en fonction de leur destination et la coopérative des éleveurs des pâturages environnants
les vend pour le compte des coopérateurs. Cette machine sert à marquer au feu la tranche d'émeu. Chaque pièce est annotée du numéro de son producteur et numérotée. Elle sera par la suite étiquetée. La visite se termine par une dégustation des fromages de la maison et de divers produits de la région.